L'Église catholique de Côte d'Ivoire est en deuil. Monseigneur Paul Siméon Awana Djro est décédé le lundi 12 février 2024 à Abidjan, dans sa 72e année, après 28 ans de sacerdoce. L'information est donnée par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire via un communiqué rendu public ce mardi 13 février et signé du secrétaire général Emmanuel Vohinin. Nous voulons aujourd'hui non seulement lui rendre un vibrant hommage, mais présenter nos sincères condoléances à l'église de Boaké et à l'église en Côte d'Ivoire. Nos sincères condoléances à sa famille biologique, mais également à tous ses fils et filles spirituels, ceux pour qui Mgr Awana a été un père, un modèle et un repère. Mgr Awana est né le 19 décembre 1952 à Bingerville, en Côte d'Ivoire. Il a été évêque de Yamoussoukro de 1995 à 2006, puis archevêque métropolitain de Boaké depuis le 22 septembre 2006. Au sein de la conférence épiscopale, il était connu pour son franc-parler. Il n'hésitait pas dans ses homélies à dénoncer les dérives de la classe politique. En 2015, il est nommé à la tête de la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes CONARIV pour travailler à la réconciliation nationale après la crise post-électorale de 2011. Le programme des obsèques de Mgr Awana sera dévoilé ultérieurement. En attendant, l'Église exprime toute sa compassion à la famille biologique du défunt. Elle invite aussi les fidèles à s'unir dans le recueillement pour son repos en Dieu, vainqueur du mal et de la mort. C'est...